Chers amis, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver ce soir dans notre lanterne magique, qui ce soir porte très bien son nom. Vous le savez tous, Beaune est magique, notre ville est magique, et ce soir nous accueillons deux magiciens. Élodie Frégé. Oui. Une chanteuse extraordinaire, sensuelle et une vraie chamane qui va vous emmener dans d'autres sphères, accompagnée par son acolyte de toujours, André Manoukian. Ouais. André, qui n'en finit pas de nous conter des histoires d'amour en musique depuis des années, fin connaisseur de jazz, de classiques. Et l'éducation musicale, vous le savez, en particulier dans notre ville, nous y tenons parce que si les divisions dans notre société aujourd'hui sont nombreuses, certainement la musique peut nous rapprocher et c'est cette harmonie que nous allons trouver ensemble ici, ce soir. Et surtout, je compte sur vous parce que bon, vous le savez, Élodie est bourguignonne, donc elle est quand même habituée à nos coutumes. André, pas encore. Donc à la fin du concert, vous lancerez le plus grand banc bourguignon que nous avons vu à la lanterne magique, et je compte sur vous. Sans plus attendre, je laisse la scène à nos artistes, et je vous souhaite un merveilleux concert. Bonne soirée. Thank you.
Merci beaucoup. Je suis toujours très ému quand je joue du piano tout seul devant vous, parce que j'ai l'impression d'être tout nu. On se voit après. Non, parce que je me suis toujours caché derrière les chanteuses. C'est génial. Quand vous accompagnez une chanteuse, tout le monde regarde la chanteuse. Personne ne vous regarde, vous êtes peinard. La chanteuse, elle arrive. Alors, il y a le batteur qui est au fond de la scène, comme ça, d'accord? Donc, elle arrive par là, le batteur, bim, 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 il est dans les cymbales. C'est carrément insupportable. Du coup, elle vient se réfugier auprès du guitariste. Le guitariste, il regarde les meufs qu'il va se faire à la fin du spectacle. Super. Elle va vers le sac c'est pareil, il regarde, bon, elle va vers le bassiste il regarde ses doigts, lui il n'a rien à péter de rien. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se réfugie ici, dans la courbe psycho-érotique du piano. Elle se retourne, elle regarde le pianiste, bim, il est mort, voilà. Ça c'est l'histoire de ma vie en 15 secondes. Pourtant quand j'étais petit, je voulais être pianiste de jazz, je disais... Quand je serai grand, je serai pianiste de jazz, comme ça je jouerai dans un bordel. Je ne savais pas ce que c'était. Mais j'avais juste entendu dire que c'est dans ce genre d'établissement qu'a été élaborée cette musique que j'aime autant. Pourquoi on aime le jazz? Parce que c'est une musique de liberté. On peut improviser, on peut faire ce qu'on veut, mais c'est du travail, c'est de l'apprentissage et tout ça. Non, non, le chant, j'en avais rien à péter, franchement. Je faisais pas la différence entre Stevie Wonder et Sheila, non. Non, pour moi, ça n'avait aucun intérêt. J'étais intéressé que par les gammes diatoniques, les gammes pentatoniques, les harmoniques. C'était que des noms qui terminaient en ic, mais le chant... J'en avais rien à péter. Jusqu'au jour où j'enregistre mon premier disque de jazz, instrumental donc. Moi, je suis lyonnais. À Grenoble, j'avais trouvé une section de cuivre, les gars, ils envoyaient, c'était des montagnards, donc ils avaient des grosses cuisses poilues, vous voyez, c'était du vélo sportif, des poumons sacoches, ils envoyaient des contrucs plein la figure, c'était génial. J'avais 20 ans et des brouettes, on enregistrait au-dessus de Grenoble dans un studio qui était, il avait été fait dans une vieille ferme, ça sentait bon, le salpêtre, le moisi, la vieille clope et la transpiration, vous voyez, les odeurs bien viriles. Et au milieu de toutes ces odeurs, tout d'un coup, je sens un parfum du musc et de la vanille et je vois une apparition. Une jeune fille, une jeune métisse d'une beauté incroyable. Elle traverse le studio comme ça, elle ne me regarde pas, elle s'en va. Je me retourne, je suis au patron du studio, c'est qui l'apparition qui flottait dans l'espace là? Il me dit, ah, c'est une chanteuse, elle est venue voir s'il n'y avait pas du boulot pour elle en studio. Une chanteuse? Ça ressemble à ça, une chanteuse. Oh, mais dis donc, c'est vachement joli, les chanteuses. Ce jour-là, on était tous en train de s'engueuler, il n'y avait rien qui marchait. Moi, j'arrivais pas à faire un solo, pourtant c'est moi qui avais fait le morceau, le guitariste n'était pas terrible non plus, le trompettiste, il y a des jours, on n'a pas l'inspiration. Moi, je dis, hé les gars, et si on demandait à la chanteuse? Les Grecs disent que la chance, c'est attraper un cheveu dans le vent avec deux doigts. Elle est vachement bien, cette définition de la chance. Ça veut dire en réalité que la chance, ça se travaille, ça s'anticipe, ça se provoque. Vous vous rendez compte, la concentration, la patience qu'il faut avoir, ne pas bouger comme ça, être aux aguets, le regard dans une seule direction, les muscles bandés, prêts à jaillir. Le prochain cheveu qui passe dans le vent, je le chope avec deux doigts. Il y a des gens qui voient passer des touffes de poils devant eux qui ne réagissent pas. Après, ils disent qu'ils n'ont pas de chance. Ce jour-là, j'ai attrapé ma chance. J'hésitais 5 secondes de plus, elle se barrait, je passais à côté de ma carrière, ce soir j'étais pas devant vous. Je recommence. J'hésitais 5 secondes de plus, elle se barrait, je passais à côté de ma carrière, ce soir j'étais pas devant vous. Bien. Mettez un peu de temps, mais c'est cool. On la rappelle, je lui mets un micro. Et je lui dis, improvise, j'ai rien du tout. Je n'ai pas de texte, je n'ai pas de partition. J'ai... La seule chance que j'ai, c'est qu'elle improvise bien. Et là, maintenant que j'y pense aujourd'hui, j'étais super gonflé quand même. Parce que depuis, c'était ma première chanteuse. Et depuis, j'en ai vu des casseroles. Je pense que la probabilité pour qu'elle chante bien,
elle était encore plus ténue que celle qui a fait tomber une crotte de pigeon sur l'épaule de François Hollande pendant la manif. Après ce moment, ah, c'était bon ça. Hein. On était derrière nos postes de télé, là, partagés entre la rage et la tristesse absolue. Il va pour embrasser Patrick Peloux, à ce moment-là, paf. Oui, tu fais, j'ai rien vu. J'ai pas besoin d'embrasser tout de suite, on ne comprend pas. Je me perds l'autre, il fait, non, moi non plus. Ils ont commencé à choper un fou rire, c'était bon. L'autre avec sa croix. Enfin, voilà. Personne n'a dit que c'est ça l'humour, le petit pas de côté qui transforme le tragique en comique. Ce jour-là, il nous a gâtés. Vraiment, merci François pour ce moment. Merci. J'en étais où moi? Oui, la chanteuse. Elle prend le micro, je lui envoie le playback. Franchement, elle n'avait rien écouté. Avant, elle ne pouvait pas connaître. On était en train d'élaborer ce titre. Et là, miracle. Elle commence dans le bas, une voix de mezzo. Je sais pas pourquoi, moi, les filles qui chantent avec la voix grave, ça me fait un effet de dingue. Je pense que j'ai beaucoup fait de recherche depuis, hein, parce que c'est problématique, quoi, parce que transpiration de la moustache assurée, je me dis, c'est gênant, quoi. Et en fait, vous savez, quand on est dans le ventre de nos mères, on entend tout, mais filtré. On entend que les basses. Du coup, je pensais que ma mère avait la voix de Rita Hayworth. Quelle déception quand je suis sorti et qu'elle m'engueulait dans les suraigus. Bref, elle commence dans le bas, la chanteuse en question, et puis elle monte, elle rentre dans les accords, elle sort, elle s'élève, elle s'élève, elle s'élève, et elle finit par un contre si bémol de l'espace. Mais moi j'étais tétanisé, j'étais transfiguré, je venais connaître une épiphanie, j'étais comme Saint-Paul sur la route de Saint-Paul-de-Vence. Je suis rentré chez moi, je me suis mis à écrire des textes, je voulais qu'elle chante sur tous les titres. Je voulais qu'elle chante sur tous les titres, ce qui n'était pas du tout prévu à la base. Pour ça, c'était des titres de jazz instrumentaux. Et alors, moi qui étais capable d'écouter une chanson 500 fois sans pouvoir vous dire de quoi ça parlait tellement j'en avais rien à péter des textes, je me suis mis à écrire des paroles d'une beauté. Il y avait un texte notamment qui faisait comme ça, je m'en rappelle encore. « Baby, I love you, you love me, please come back. » Vous vous rendez compte la puissance du truc? Mais où j'étais allé chercher ça? Je venais de découvrir le principe de la muse. Une muse, c'est génial. Vous la regardez, vous tombez amoureux. C'est un amour platonique, bien sûr. Même si dans platonique, il y a... Platon, merci. Et alors tout l'amour qu'elle vous inspire, vous lui renvoyez sous forme de poème, sous forme de peinture, sous forme de musique, de symphonie, que sais-je, c'est génial. La muse, c'est le moteur idéal du créateur. Tous les grands compositeurs en avaient, les peintres, Picasso, Dali, Beethoven, Mozart. Mozart, il était amoureux fou d'une soprane. Elle chantait avec une voix super aiguë, comme ça, il était fou d'elle. Elle s'appelait Aloïsa Weber, c'était la fille d'un grand violoniste. Il a composé des rondos, des sonates. Au bout de 6 mois, elle a largué. Alors il a écrit des marches funèbres. Et puis il est tout de suite allé se consoler parce qu'elle avait une deuxième frangine, Constance Weber. C'est sympa d'avoir des frangines. Enfin, Et du coup, il a épousé Constance. Il a fait des enfants. C'est une grande musicienne aussi, elle chantait pas, mais elle faisait des trucs. Et un jour, il entend la petite dernière, la troisième, qui s'appelait Josepha. Et elle avait un rire tellement aigu, c'est pour elle qu'il a composé ça. La reine de la nuit, c'est en entendant le rire de Josepha. Mozart, il s'est tapé les trois frangines. Mozart. Thank you.
Salut. Parfois, je fais des séminaires comme ça, il y a des jeunes compositeurs qui me disent « t'as pas des tuyaux et tout ». Je dis « mon gars, tu tombes amoureux, quoi. Tu mets la photo de ta chérie sur ton piano et tu vas voir, ça va, tu te concentres bien, t'imagines, enfin bref. » Une fois, il y a un gars qui m'a dit « mais moi, je suis amoureux de personne. » Je dis « bah tu prends la photo de Roselyne Bachelot, tu la colles sur ton piano et ça va jaillir. » Le gars, je l'ai jamais revu. Le seul problème, c'est que 9 fois sur 10, je dis bien 9 fois sur 10, la muse se transforme en sirène. Et là, ça devient super dangereux. Là, il faut s'attacher très fort aux mains du bateau comme Ulysse pour ne pas plonger dans les flots de la libido. Mais les Grecs, c'était génial. Mais oui, l'eau, c'est le symbole de la libido. S'il y a des enfants, vous leur expliquerez un peu. Là. Ils avaient tout prévu, c'était formidable. L'autre attaché pour ne pas... Voilà, tous les marins qui... Mais c'est... vraiment, c'est ça. N'importe quel psychanalyste de bas étage, il vous dira, messieurs, que l'eau, c'est le symbole de la libido. D'ailleurs, messieurs, si vous rêvez que vous faites de la pêche à la ligne avec votre voisine de palier, ne racontez pas ça à votre femme au petit-déj. Criez. Jésus-Christ qui marche sur l'eau, c'est un symbole aussi. Qu'est-ce qu'il nous dit, le gars ? Il nous dit, vous avez vu comme je la maîtrise, moi, ma libido ? Quel frimeur. Moi, j'ai jamais su marcher sur l'eau. J'ai toujours plongé. Puis bien, hein ? Alors, au bout de la cinquième chanteuse qui m'a largué, la chanteuse, à un moment donné, voilà, elle laisse son pile-bagnon, parce que c'est... Et c'est normal, et c'est sain. Elle... On ne peut pas toujours être comme ça. Habiter quelqu'un de tout, ça devient... Elle a envie de se récupérer, d'exister par elle-même. Sauf que quand elle s'en va, elle coupe le cordon ombilical avec une hache rouillée, sans anesthésie. Ouais, oui, comme vous dites. J'ai eu un docteur, j'ai dit « Docteur, j'en peux plus ». Il m'a dit « Mais vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous tombez amoureux, ça vous inspire, vous écrivez. Elle vous largue, vous êtes super malheureux, mais ça vous inspire, vous écrivez. Vous retombez amoureux d'une autre, ça vous inspire, vous écrivez. Hey, vous allez aller où comme ça ?» J'ai dit « Mais docteur, je ne sais pas faire autrement. » Il m'a dit « Mais changez de modèle. » J'ai dit « Mais quoi ?» Il m'a dit « Mettez votre libido dans votre piano. » J'ai dit « Mais ça fait mal, docteur. » Il m'a dit « Essayez. » Vous avez vu, quand j'ai commencé, j'avais les doigts dans le piano. Mais il y a une raison musicale. Regardez, je joue un do. Maintenant, je joue le même do en posant mon doigt sur la corde. Vous avez vu ? Il est doux. C'est chouette, non, comme son. Vous savez, l'instrument, je dis tiens, c'est dingue. Alors, du coup, je me suis enhardi. J'ai mis deux doigts. Trois. Ah, ça ressemble à un oud, vous savez, ce luth oriental. Je dis c'est génial. Donc, tout d'un coup, j'avais un nouvel instrument. Du coup, ça m'a inspiré des choses et tout. Même une petite route vers l'Orient, comme ça. Alors j'ai dit, docteur, est-ce qu'on peut utiliser des accessoires ? Il m'a dit, oui, parfois, dans les vieux couples, ça aide un petit peu. J'ai pris ce que j'avais sur moi, c'était un relevé d'identité bancaire, pardon, mais crédit mutuel, parce que le crédit mutuel donne le là. Regardez le son que ça fait. Waouh, on dirait ce sitar grec. Dommage, Mickey.
Dora qui nous a quitté il n'y a pas longtemps. Bon ben voilà, mesdames et messieurs, c'est génial. Donc ça fait 5 ans que je me trimballe tout seul avec mon piano ou des musiciens poilus. Et l'autre jour, j'ai regardé un documentaire sur Nina Simone, j'ai trouvé ça tellement beau, ce destin de cette femme pianiste. Elle voulait être pianiste classique, mais comme elle était noire aux États-Unis dans les années 50, c'était impossible pour elle quasiment de faire conservatoire. Alors elle a fait chanteuse. J'ai vu ce documentaire, ça m'a bouleversé. Et puis du coup, je me suis dit, mais en fait, je me suis vu sur scène accompagnant une chanteuse. Donc je suis allé voir le docteur, j'ai dit, docteur, je crois que je suis guéri. Il m'a dit, on va vous mettre à l'épreuve. Alors vous le sachiez, il y a deux types de psychanalystes, peut-être vous le savez déjà. Il y a les freudiens et les jungiens. Alors les freudiens, ils parlent de compulsion de répétition. Oh, c'est triste. Ça veut dire que tu es condamné à faire toujours les mêmes conneries. Les jungiens, ils disent épreuve de vérification. On va voir si tu fais toujours les mêmes conneries. Donc le docteur, il m'a dit, tu vas prendre la plus belle des chanteuses, celle qui a la plus belle voix, et tu vas aller à Bonn. À la lanterne. Mesdames et messieurs, alors que j'étais en pleine cure de désintoxication vocale, voilà que je vais replonger devant vous. Je vous demande de m'observer avec attention. Si vous voyez les premiers symptômes de transpiration de la moustache, vous pouvez évacuer. Mais les papiers, vous n'avez pas le droit de me réanimer. D'accord ? En attendant, je vous demande de faire un triomphe à Élodie Frégé. Thank you.
mon ami. Bravo. Like André do. Non, pas aucun artifice, j'avais juste. C'est naturel, saut du lit. Quand on a fait un répertoire avec Elodie, hey, mais par contre, non, il y a un truc, il y a une interaction qui est cool quand même. Hein, t'as remarqué, Elo? Ah, tu veux dire entre nous ou entre le public et nous? Ah, ou entre les gens du public entre eux? Ben, normalement, c'est tout à la fois, ah, oui. Mais avec le public, hein, ils sont chauds. Pardon, excusez-moi, je suis bourguignonne et je savais que l'accueil serait exclusif. D'ailleurs, je pense que, enfin, je voudrais copier sur personne, mais je pense que éventuellement je pourrais sortir un album qui s'appellerait Bourguignonne. Jadis, ce fut le cas pour d'autres. Non, parce qu'il y a un truc mystique qui se passe entre un public et des artistes. Les sons qu'on joue, très bizarrement, on les entend passer à travers vos corps.
Oui, j'essaie d'être clair. Il a une énergie. C'est ça. Mais à la base, on est fait de 70% de liquide, on est d'accord? Enfin, ça dépend ici, c'est plutôt... Ok? Voilà. Donc, nous, quand on vous envoie une vibration, tout ça, ça fait de l'effet, quoi, d'accord? Deleuze dit, la musique crée des affects. Les affects, c'est une transformation physique du corps. Et donc, le son, on l'entend comme... C'est un truc de... si vous êtes à l'écoute, nos notes, elles trouvent vos cœurs, et du coup, elles nous reviennent, on fait « Waouh !» Et du coup, on vous en renvoie une couche, et vous faites « Oh !» Et là, spirale tantrique. Là, ça fait une demi-heure qu'on fait l'amour, vous n'en êtes même pas rendu compte. Et bien là, ce soir, ça va. Hein, c'est cool. C'est nickel. Alors, donc, avec Elodie, quand on a fait ce répertoire, elle m'a dit, tiens, c'est marrant, on a choisi, elle en a choisi la moitié, moi l'autre moitié. Elle me dit, c'est marrant, on fait beaucoup de torch song. Alors, une torch song, que je vous explique, c'est pas une chanson qu'on chante quand on est torché. Ça n'est pas non plus une chanson qui vous enflamme la moustache. Les deux sont compatibles, hein. C'est une chanson quand l'amour est cramé. C'est les Américains qui parlent de ça à propos des grands standards. Il y en a toujours un des deux qui se roule par terre en disant « S'il te plaît, reviens. » C'est toujours. Voilà. Et on sait que c'est perdu, on sait que ça ne sert à rien, mais on ne peut pas s'empêcher de le faire. C'est le romantisme d'un acte désespéré qui ne sert à rien, sauf à exprimer. Voilà. Alors, ils disent « torch » parce que ils disent qu'il n'y en a qu'un seul qui reste avec la flamme de l'amour. Ce qui veut dire que la statue de la liberté s'est éparpillée. Et donc là, parmi toutes les torchons, on a choisi de vous faire Cry Me a River. On va faire Cry Me a River et là vous vous dites ah, une chanson d'amour. Avec Elodie, on va vous chanter Cry Me a River. Cry Me a River, une chanson d'amour. Mais vous avez checké le texte? Mais c'est une meuf qui dit à son ex qu'il a largué il y a 6 mois pour aller avec sa meilleure copine et qui revient tout penaud, sûrement parce qu'il s'est fait larguer, en disant oh, finalement, je crois que c'est toi que j'aime. Et la meuf, elle lui dit mais tu peux te mettre mon talon aiguille dans l'œil jusqu'au trognon, espèce de gros bâtard. Enfin. À peu près, n'est-ce pas, Elodie? Je suis absolument d'accord avec cette personne. Je trouve ça totalement logique de mettre un talon dans l'œil de quelqu'un. Voilà. En gros, voilà, Cry Me a River, ben, tu m'as fait pleurer, ben, maintenant tu vas faire pleurer. Donc, alors, pour les gens qui se marient, mettez pas cette chanson. Non, c'est vrai. Faut écouter. En France, on s'en fout un peu des textes, mais quand même, ça veut dire quelque chose. Non, mais d'accord. C'est comme Alléluia de Leonard Cohen. Il faut pas chanter ça à l'église. C'est un mec qui dit notre amour est comme un cadavre froid. Non, c'est pas cool. On est d'accord. Every breath you take, every breath you take. Oh. En fait, c'est la chanson d'un mec qui s'est fait larguer, qui ne supporte pas son divorce et qui dit à sa femme « Je serai partout, derrière tes fesses, chaque fois que tu respires, Inch'Allah. » C'est un mec qui la harcèle. C'est horrible. Non, chanter des chansons bourguignonnes, mais pas des chansons au mariage. C'était mon petit... Voilà. Et ben petit maintenant, conseil. Mon petit conseil, ben maintenant, Cry Me a River. Allons-y. Je vais penser à des situations que j'ai pu vivre dans ma jeunesse à Mose. Enfin, il y a longtemps. Ici, non. C'est marrant, je crois que le bourguignon ne m'aime pas. Je fais ça pour me mettre dans l'ambiance, évidemment. Moi, j'aime le bourguignon. Thank you.
finally drove me out of my head. What you never shed a tear. Phénomène dans le nez.
déranger. Il ronfle un peu, mais bon, c'est joli, c'est une belle musique. Oh, quelle belle basse. Il chante faux, on a l'impression qu'il chante juste. Il y a un autre tune en fait dans l'oreille qui fait que hop, ça chante juste parce qu'on est, on a envie d'y croire. C'est ça le truc. Bon. En fait, la volonté d'aimer est bien plus forte que le fait d'aimer. Ça, c'est mon avis. Bonne soirée. Voilà, voilà. Donc, le début, on est complètement fou. Premier jour, 24 heures, hop, on va au resto, on lit le menu. Alors, nuggets plus sauce barbecue, mac and cheese, truc. Coca zéro. Poésie. Mais c'est du Baudelaire. Mais quel enfer, je l'aime tellement. Alors qu'en fait, on est juste en train de prendre un Big Mac. C'est ce que cette chanson, What a Difference Day Makes, raconte. What a difference a day makes, 24 in hours, brought the sun and the flowers. You were mine. I want.
24 heures, c'est si long et c'est si court. Non, mais non, mais c'est vrai que, enfin, je sais pas, mais 24 heures, on est bien, 48 heures, on est bien, une semaine, on est pour moi. Un mois, deux mois, six mois, un an, deux ans, six ans, 10 ans. Alors ça, je connais quoi. Non, mais c'est pas que je veux pas rester, hein, j'ai mis beaucoup de volonté, mais enfin, je sais pas toi. Ah oui, toi, ça m'a beaucoup plus longtemps. Hein. Bref. Mais je reste vachement plus longtemps avec ma guitare qu'avec. Mais non, mais c'est... Il y a quand même un truc qui peut s'immiscer lamentablement entre deux personnes au bout de quelques temps. Et c'est l'ennui. Parce que bon, bah, à un moment, on fait toujours un peu les mêmes choses. Il faut avoir beaucoup d'imagination, de l'énergie, on a pas que ça à faire. Non, mais c'est vrai, c'est un job. Moi, franchement, je pense qu'on devrait être payé au moins un SMIC. Le SMIC de la mort. De l'amour, pardon. Je pense que je vais monter un spectacle comique, ça s'arrête plus. Je rip, et puis... Harry Pay, quoi. Ah, celle-là, elle était chiante. Je sais que Renaud a compris, mais son... Il a compris. Bon, bref, en tout cas, il y a une personne qui a très bien décrit ce sentiment d'ennui qu'on peut ressentir de temps à autre, même si on n'a pas envie de partir, hein, restons positifs. Et ben, c'est Serge Gainsbourg. Avec ce mortel ennui. Thank you.
rotting signs of love, but not for me. A lucky star is above, but not for me. Parce que t'as les yeux bleus, que
Et tes cheveux s'amusent à défier le soleil par leur éclat de feu. Parce que tu as 20 ans, que tu croques à la vie comme un fruit vermeil que l'on cueille en riant. Tu te crois tout permis et n'en fais qu'à ta tête. Désolé un instant prêt à recommencer. Tu joues avec mon cœur comme un enfant gâté qui réclame un joujou pour le réduire en miettes. Parce que j'ai trop d'amour, tu viens voler mes nuits du fond de mon sommeil et fais pleurer mes jours. Que je n'ai que toi, le cœur est mon seul maître, maître de mon cœur. L'amour me fait la loi, parce que tu vis en moi, et que rien ne remplace les instants de bonheur que je prends dans tes bras. Je ne me soucierai ni de Dieu, ni des hommes. Je suis à mourir si tu mourrais un jour, car la mort n'est qu'un jeu comparé à l'amour, et la vie n'est plus rien sans l'amour qu'elle nous donne. Parce que je suis au seuil, je voudrais que mon cœur n'emporte pas le deuil. Eh bien, ça s'entend. Il y a trois buts. À Dijon, je dirais aussi, parce que j'ai beaucoup bu par la suite. Non, c'est riche, ici c'est riche, c'est nourrissant, quoi. Et d'ailleurs, je trouve que ce lieu, d'ailleurs, merci Charlotte pour cette idée, parce que non, vraiment, ça sonne riche en fait. Je sais pas si tu ressens ça avec ton piano. Bah, c'est-à-dire, c'est les effluves des. Ouais, ouais, je respire pas trop fort, sinon je suis. C'est l'esprit du vin qui reste. Exactement. D'ailleurs, il y a plus de vocabulaire chez les œnologues pour parler du vin que parfois chez les musiciens pour parler de musique, c'est fou. Hein, on parle d'accord, hein, on parle de rondeur. On parle de rondeur, on parle de notes persistantes, voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a des œnologues qui sont vraiment en balèze, hein. Ils vous disent, vous sentez la fraise, vous sentez la myrtille, vous sentez l'herbe, vous sentez le pneu, enfin, je sais. Il y a des trucs de dingue dans le vin, mais voilà, nous, on est un peu néophytes, et du coup, on aime bien se faire guider. Hein. La première expression que j'ai apprise, c'était, ah, ce vin, il est bien rond en bouche. Oui. Et moi, je sais que ça te plaît, cette expression. Non, mais sans provocation, c'est génial. Après, on dit c'est moi le sexe. Maintenant, j'ai la plus tendue aussi. Comme... Il est bien tendu, ce vin blanc. C'est absolument jamais ce que je vais dire. J'essaie de m'en sortir, je n'ai jamais rien vu avec toi. Cette addiction. Donc, de la même manière qu'un œnologue tâche de nous guider à travers les arômes d'un bon vin,
Nous allons tâcher de vous guider à travers les arômes d'une chanson, encore une chanson d'amour. Là, maintenant, on va vous faire, là, on va faire pareil que tout à l'heure, voilà, vous dites, ah, quelle belle chanson d'amour. Nous allons vous jouer My Funny Valentine. Oh, ah, wow. Quelle belle chanson d'amour. Super. My Funny Valentine, une chanson d'amour. Hein? Vous avez checké le texte? Hello, let's listen. My funny Valentine. Ma Valentine rigolote. Sweet comic Valentine. Douce comique Valentine. You make me smile with my heart. Tu me fais sourire le cœur, c'est joli ça. Oui, c'est ça. Your looks are laughable. Ton apparence est risible. Unphotographable. Tu n'es pas photographiable. Même avec un filtre. Yes, you're my favorite work of art. Mais tu es mon œuvre d'art préférée. Le mec aime donc les tableaux cubistes. Ensuite, ça se gâte encore. Is your figure less than Greek? Tu ne ressembles pas du tout à une statue grecque. Is your mouth a little weak? Ta bouche n'a pas de lèvres. When you open it to speak? Et quand tu l'ouvres pour parler? Are you smart? Est-ce que tu es intelligente? Non mais, c'est comme ça qu'on fait une déclaration d'amour à sa chérie? Alors moi, mon idée c'est qu'il voulait la garder pour elle, donc il la décrivait d'une manière atroce, genre, attends, elle est moche, elle pue des pieds et tout. Pour la garder. Pour la garder? Bah, c'est sympa pour elle ça. Et ça finit comment là? Ça finit, but don't change your hair for me, tu vois. Mais ne change pas un cheveu pour moi. Not if you care for me. Pas si tu tiens à moi. Stay, little Valentine, stay. Reste, petite Valentine, reste. Pardon. Each day, it's Valentine's Day. Chaque jour, c'est ta fête. Bah, tu m'étonnes que c'est sa fête. Voilà, voilà. Alors, on s'est demandé avec Elodie, on a enquêté, on a dit, mais c'est pas possible, une déclaration d'amour pareille, d'où ça peut exister? La chanson a été écrite dans les années 50 par Rodgers and Hart. Les deux Lascar qui ont écrit la moitié du Great American Songbook de tous les standards de jazz, mais en 1930, il y avait un Français qui cartonnait aux États-Unis. Comment il s'appelait? Maurice Chevalier. Non, pas Maurice. Maurice Chevalier. Qu'est-ce qu'il chantait, Maurice Chevalier? Des tout petits petons. Ils nous ont gaulé, Valentine! Les Américains, le plus beau standard de jazz, ouais, mais fesses, c'est une chanson française, mesdames et messieurs! Voilà. Vous voulez qu'on fasse la version de Maurice Chevalier ou c'est de Chet Baker? Qui a dit Maurice Chevalier? Non, mais ça va pas, non! Your lips are laughable.
little weak when you are burning to speak. Je sais pas si c'est le petit verre de bourbonne que tu blanc que tu as bu là, mais elle a du feeling. Et vous avez vu, il y a un moment où elle avait avalé Chet Baker. Quelle chance ce Chet. Si on faisait. Si on faisait. Si on invitait quelqu'un. Si on faisait chanter les gens. Si on faisait. Oui, hein? C'est ça. C'est le moment. Je donne mon micro. Je donne mon micro à quelqu'un. Je ne sais pas. C'est pas moi non plus. Je suis vraiment un tonnerre d'applaudissements. C'est vraiment parce que tu lui as vendu la chanson. Je mets ça là, comme on se met toutes les deux dans le creux du piano, il y a de la place pour nous deux. Est-ce que tu t'entends?
Est-ce que je m'entends? Est-ce que vous m'entendez? On se met là parce que elle est pas mal ici. En fait, Charlotte, la dernière fois que je suis venue à Beaune, en fait, j'ai découvert qu'elle chantait hyper bien et on a passé une nuit entière à chanter autour d'un piano. Elle chante vraiment super bien. Donc, C'est vrai que d'habitude, vous savez, j'ai plus l'habitude de faire des discours politiques que de chanter devant vous. Mais c'est vrai que c'est une passion quelque part. Qu'on fasse de la politique ou de la musique, on a un peu le même but. D'une part, souvent, c'est qu'on aime les gens et que notre objectif, c'est de rassembler. Alors, je sais pas si j'y arriverai mieux en musique qu'en politique. En tout cas, on va essayer. Je crois. Alors, est-ce que tu veux commencer? Cheveux attrapés, parce que franchement, c'est un rêve.
qui vient de se réaliser. Merci. Bravo. Bravo. C'est pas un moment qui ne va pas lâcher les guignes à s'asseoir
quand on s'ennuie, mais... Non, j'essaie de le choquer un maximum, comme ça, il s'ennuie plus, il s'ennuie jamais, quoi. Non, mais c'est important, quand même, de ne pas s'ennuyer. On est quand même un couple, à la scène, en tout cas. Donc, voilà, ça le fait à la scène. Bon, bref. Bon, bah, j'allais finir. Tant mieux. Tout le monde a pris son sac de couchage? Non. Oui. J'entends rien, je suis sourde. C'est... Pour une chanteuse, c'est con. Bon, bref. Donc voilà, je perds, attention. Oui, vas-y. Restez assis. Vous pouvez danser si vous voulez. Mais on n'est pas obligé de rester assis comme un Noël. Dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic to me, when we swear I believe. I can hear the sound of violins, long before it begins. Make me play dance, only you know how. C'est de nous faire voyager en dehors du temps et mais parfois on atterrit et là c'est l'heure du dernier morceau. Oh non. Selon Einstein, il est un point, vous savez la courbure de l'espace-temps, où le passé, le présent et le futur sont dans un seul et même instant. Par la grâce de la musique, on peut s'y rendre et avoir vu sur des panoramas fabuleux. Mais hélas, il est temps de redescendre sur Terre et c'est l'heure du dernier morceau. Non. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Dernier morceau, l'avant-dernier, non. L'avant-dernier. Tu l'as dit, quoi. C'était sûr qu'on n'allait pas revenir. Je sais pas garder les secrets. Alors, attends, où est-ce que je m'assois, moi, parce que je... Eh ben, tu... J'appuie, je m'assois avec cette robe. C'est une très bonne question. Bien.
Ah, tu me fais une petite place? Ouais. Alors, super. Ah, pardon. Oh, attention. Non, mais c'est Benny Hill. Pour ceux qui connaissent. Pretty Rose. Je sais pas. Non, pas sur la bouche, même si c'est louche, puisque ma langue a le goût de ta vertu, de ton honneur perdu. Non, pas sur les lèvres, même si j'en rêve, même si je tremble. Et bien que mon cœur soit nu, mon âme est revêtue de pudeur et d'impudence, sans te faire offense. Mieux ne vaut pas tenter sa chance. Rien ne dure au-dessus de la ceinture.
Est-ce qu'on pourra parler un peu d'histoire après tout à l'heure? La loge entre quelques pots de bouteille et puis un petit qui reste et tout. Non, c'est génial, j'adore l'histoire. Non, non, mais c'est vrai. Par exemple, vous savez que l'origine du chant grégorien, eh bien, c'est... Non, là, c'est trop long, vous n'avez pas le temps. Si vous voulez, j'ai voulu savoir pourquoi je transpirais de la moustache dès qu'une meuf chantait, c'est très pénible et tout. J'étais obligé d'aller jusqu'au Canada. C'est vrai, au Canada, il y a une prof de chant qui s'appelle Diana Ricard. Déjà, son nom est très sympathique. Alors déjà, les Canadiens, ils sont aidés par rapport à nous. On parle la même langue, mais le français tel que nous le parlons en métropole est la seule langue qui ne mobilise que trois petits muscles autour de la bouche quand on parle. Alors que les Canadiens, quand ils parlent, il faut passer les résonateurs du front, du nez, de la gorge. Vous voyez la différence? Il n'y a pas un lien entre la Bourgogne et le Canada? Non, historiquement? Non, mais c'est bon, ils ne peuvent pas être partout non plus. Et donc la technique, l'accent canadien, en réalité, c'est l'accent anglo-saxon, c'est un accent qui est fait pour le chant. Puisque pour chanter, il faut placer sa voix dans sa tête. Et nous, eh ben, on ne sait pas la placer, puisqu'encore une fois, on ne fait marcher que trois petits muscles et tout. Mais pour chanter, voilà, il faut avoir cette technique-là. Vous avez l'impression que j'ai parlé plus fort, mais pas du tout. J'ai simplement placé ma voix, hein, comme te disait Armand Altaï. Exactement. Voilà, il faut placer ça. Et c'est pour ça qu'en réalité, la tête doit être une caisse de résonance. Donc elle doit être vide, il ne faut pas penser quand on chante. C'est vrai, c'est pour ça qu'on dit con comme un ténor. C'est l'expression des chanteurs lyriques, eux-mêmes, ils ne sont pas tous cons les ténors, mais voilà, l'idée c'est ça. Donc moi je vois Diane Ricard, et elle a inventé une méthode fabuleuse, parce qu'en réalité, ce n'est pas seulement la tête, c'est tout le corps qui doit résonner. Donc pour ça, elle a une méthode de chant, elle appelle ça la méthode de la respiration anale. Je vous jure que je n'ai pas inventé ça, c'est pas possible, on est d'accord. C'est vraiment Diane Ricard qui a inventé ça, je suis désolé. L'idée, voilà. C'est de se dire qu'on a un tuyau qui résonne, qu'il faut que l'air circule et tout, et voilà quoi. Vous imaginez quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'étais encore juré dans une célèbre émission de casting. Et là, on était à Lille. Est-ce que tu étais là, Hélo? Non, tu n'étais pas là. Non, je n'étais pas là. C'était l'autre, celle qui... Non, c'était l'autre chanteuse, celle qui prend du foie gras en entrée, une côte de bœuf, et puis du fromage et des profiteroles. Avec... Non. Non plus. Alors, et donc, on se retrouve à Lille en casting, et là, il y a un mec qui arrive et il nous fait le grand numéro de ténor. Quand il y avait des gens qui voulaient chanter du classique, c'était pas fait, on aimait ça. Mais le mec, il se sentait tellement supérieur, alors qu'en réalité, il chantait moins bien que le pizzaiolo de mon quartier. Mais il avait une telle attitude arrogante de schpounz et tout. À la fin, je lui ai dit, monsieur, ouais, c'est pas mal, mais vous ne chantez pas assez avec votre anus. Alors que le mec, il chantait vraiment comme un cul. C'était bon ça.
ce que nous dit Diane Ricard, c'est si vous chantez à partir de vos cordes vocales, et ben vous voulez péter, ça coince. Hein, irritation, nodule, on va chez le phoniatre et le phoniatre il nous dit non, 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 le chant part de plus bas. Beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas. Contraction du péroné. Du périnée. C'est un truc, il y a des vapeurs en ce moment. Hein, foutez les trucs de Bourgogne ici, il y a du pétard. C'est des souvenirs. Contraction du périnée. Contraction du périnée, voilà, c'est ça. Et l'air, du coup, monte tranquillement. Traverse les membranes de la chanteuse, la poitrine de la chanteuse, arrive jusqu'au corps vocal de la chanteuse, les excite. Est-ce que vous avez déjà vu une endoscopie de corps vocal? C'est super joli. Ça ressemble à... Mais sans les poils. Monte à la bouche de la chanteuse, la langue de la chanteuse le module. La bouche de la chanteuse l'expulse et crée une onde sonore qui arrive jusqu'au tympan du pianiste, qui envoie un signal dans le cerveau, qui immédiatement... envoie une impulsion électrique sur la moustache du pianiste. Du périnée de la chanteuse à la moustache du pianiste. Maintenant, puisqu'il y a des politiques ici, Élodie et moi, nous avons une revendication. Ouais. Les musiciens ne sont pas contents. La France est le seul pays où le public frappe la mesure sur tous les temps et ça fait le rythme de la bourrée. Dans les pays civilisés, en termes de musique, anglo-saxons pour la plupart, on tape sur le deuxième et le quatrième temps. Ça s'appelle l'afterbeat. C'est tellement joli en plus. Après le temps, regardez la différence. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1 1 1 1 J'ai vu ce qui se passe, c'est génial. Maintenant appuyez sur tous les temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Alors on va faire deuxième et quatrième compte. Top, top. 1, 2, 3, 4, 1, 1. Et on super, 1, 1, 1. Be
Bravo. Super focus, hein. Semblant de se marier, c'est très bien pour revenir. Si on vient trop tôt, ça fait genre on a trop faim. Si on vient trop tard, c'est pas terrible. Je prends celui-là. Vas-y. On va vous faire un truc qu'on n'a pas du tout prévu. J'ai enlevé mon sonotone. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un disque autour de Gainsbourg avec mes chanteuses. Je me disais que Gainsbourg et moi, on avait au moins ça en commun. D'aimer les chanteuses. Oui, alors, il n'y avait pas Charlotte, mais la prochaine, il y avait Mélodie Gardot, il y avait Isabelle Adjani, Rosemary Stanley, il y avait qui encore? Et Camille Lelouch, il y avait qui encore? J'en ai oublié, ils étaient six. Camélia Jordana, et il y avait Elodie Frégé. J'espère de me faire une parole de l'ordre, parce que sinon vous m'aidez, c'est une chanson que tout le monde connaît. Voilà. C'est pas prévu en général, on s'en va après, comme des voleurs. C'est vrai que j'ai enlevé tout mon matos. J'avoue, j'en ai bavé par vous, mon amour. Avant d'avoir eu rendez-vous, mon amour. Ne vous plaise en dansant la javanaise. Bravo!